Coucou, un petit bonus d'histoire aujourd'hui puisque demain je vais pas faire de vidéo comme c'est férié. Donc j'ai dit aujourd'hui je vais vous lire deux histoires. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Tadam Super Lapin. Il était une fois un petit lapin qui se prenait pour un super lapin. Lorsque sa maman lui disait « Debout, mon petit lapin !» il répondait « Je suis super lapin !» Pas si super que chat, disait Milou. Lorsque sa maman lui disait « Que vas-tu faire aujourd'hui, mon petit lapin ?» il répondait « Mais enfin, chère mère, je ne suis pas un petit lapin, je suis super lapin !» Les super lapins attrapent les méchants, vous le savez bien. Ce jour-là, donc, Super Lapin part chasser les méchants. Il découvre un trou dans un arbre, mais à l'intérieur, rien ne bouge. Super Lapin, qui n'a peur de rien, saute dans le trou. Mais il fait très froid et très sombre. Soudain, il se met à hurler de toutes ses forces. Maman! Maman, 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 hurle le petit lapin. J'ai un morceau d'épée dans le doigt. La maman du petit lapin va chercher de quoi enlever ce qui s'est glissé dans le doigt du petit lapin. Lorsque sa maman lui dit « Comment as-tu fait ça, mon petit lapin ?» il répond « C'est un méchant qui m'a sauté dessus avec une épée grosse comme ça. Oh, je vois, mon petit lapin. » Puis, lorsque l'aiguille s'approche, le petit lapin sent quelque chose de nouveau. Il a peur. Et il a mal. La maman du petit lapin sort les chardes et s'écrie : « Tu es le plus court
courageux de tous les petits lapins. Tu n'as vraiment peur de rien. » Et le petit lapin hurle. « Normal, je suis super lapin !» Lorsque sa maman lui demande « Mais où vas-tu avec cette écharde, mon petit lapin ?» Il répond « Mais enfin, mère, ce n'est pas une écharde, c'est une super épée. Je vais chasser les méchants car je suis super lapin. » L'histoire est terminée. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à lundi pour une nouvelle histoire. Mes super lapins. Bisous, bisous.